Et salut les gens, c'est Sam, on se retrouve pour la troisième semaine, le medley de 7 Days to Dies. J'espère que ça vous plaira. Je suis au max en force, j'ai tout au max. Sauf armure lourde et mule, que je prends pas. Mais j'ai baguette magique à 4, bombe sexuelle au max, ruée vers l'or et part du lion au max. Les baguettes magiques okay. M'arrêtent à 4 parce que c'est intelligence 7 et le dernier il est intelligence 10. Je vais zoner un peu autour de la base, voir si je peux pas trouver un ours ou un truc comme ça. Ah bah les ours ils sont dans la forêt dans la forêt du froid il y en a. Mais méfie-toi quand même parce que oh ils ont bien poussé tes putains d'arbres là. Tu pourrais donner un coup d'âge dans les arbres pour me dire à combien ils en sont? Ouais. Donc pour faire du ciment, est-ce qu'on a du ciment? 300 ciment c'est pas beaucoup. Ah mais on avait du sable déjà là. Ah! Tu sais combien il y a de pierres? Il y a 20 000 pierres qui m'attendaient là. Ils sont à 900 les arbres enneigés. Ah ok, c'est cool. Et je crois pas qu'ils puissent. Ils sont pas tous à. Ils atteignent pas tous 1200. Hein. Suivant les espèces d'arbres. Moi je sais que j'aime bien avoir un pistolet parce que l'avantage du pistolet c'est qu'il se recharge assez vite par rapport aux autres armes. Donc quand t'es un peu pris de court et qu'il est pas chargé. Tu peux quand même faire quelque chose avec. Alors le pistolet ne fait pas partie des armes recommandées pour la horde, mais toi tu ne te bats pas que dans la horde, contrairement à moi. Ce qui est recommandé pour la horde, c'est les mitrailleuses, mais ça coûte beaucoup de munitions, les gens y précisent, mais l'avantage c'est que tu es un mineur, donc normalement tu dois pouvoir gérer tes munitions en me demandant d'aller miner à l'avance, tant de mitra, tout le temps de... Oui. Pas, ouais. Les snipers. Parce que le sniper en piercing, tu dégommes 3 voire 4 cibles dans un couloir quoi. Moi je sais sniper. Aussi. Non, pas le shotgun. Non. Le shotgun il est pas recommandé pour les hordes. La portée est trop courte et quand tu allonges la distance, tu réduis tes dégâts, donc il est pas assez efficient. Puis il y a de la dispersion, etc. Il vaut mieux des trucs qui alignent et qui transpercent. Ou le fusil d'assaut, parce que le fusil d'assaut, il a de lui-même un DPS juste de malade, et puis voilà quoi. Donc les deux armes. Ils vendent des cartouches de fusil à plombe si tu veux. Non, on n'achète que des livres. Que des livres et des recettes. Normalement, tu dois jamais rien acheter d'autre que des livres et des recettes. Dit-il après m'avoir fait le creuset. Ah bah oui, le creuset, ouais, parce que le creuset, c'est, on en a besoin que d'un. Donc du coup, que t'aies ouais, le livre ouais. Ou le creuset lui-même, ça revient un peu au même. Qu'est-ce que j'ai fait de ma pelle? Elle est là. Eh mais je peux aller annuler ce qui est là-haut. Sur la bétonnière oui, et puis le lancer en bas. Tu peux l'annuler, oui. Oui. Saleté de zombie. C'est à nous. C'est notre loot. Ah, puis alors, je tombe, je suis en train de remonter une fois en haut, c'est lui qui tombe. Mais que du con. Tiens. Ah, mais au moins, il m'a filé conserve de pâté pour chien, bière et munitions de calibre 9 mm. Il a été rentable ce zombie. On dit merci qui? Merci zombie. Merci zombie et Michel. Ah là tu regardes pas. Si. En fait si. Ouais, ça y est, elle a crié. Alors, on attend 5 zombies. Tu vois pas. Ouh, t'as 8 pièces de fusil à pompe maintenant. Alors pour faire le l'auto-fusil level 5, ça doit être 46. Et pour faire le premier, par contre, ça doit être une douzaine. Oh là, j'entends des zombies moi là-haut. Je sens que ça va chauffer la base. Ah,
suis en train de finir le POI, moi. Crieuse. Aïe. Elle a crié, stop. Oh là, ça court. Oh purée, ça court. Allez. Un en pleine tête. Deux en pleine tête. Trois en pleine tête. Quatre en pleine tête. Et en plus, elle crame. Alors, où qu'il est le dernier ? Bon, j'ai fini la quête. C'est pas mal. C'est maintenant tu peux mourir. Ouais, tout à fait. Bah alors écoute, il m'en manque un. Ah, il est là, il est là. Il avait fait le tour. Bah j'ai fait des brindilles. Et bon, c'est fait. Je redescends. Tu mets l'élixir d'oubli de papy. Ah bah il est pas cher, t'as bien monté. Par rapport à 60 000. Allez, 18 000 XP, la première pile, je la défais, je refais. Donc tu peux refaire les piles avec le même avec les mêmes trucs. Par contre, ta deuxième va me donner 9 000, etc. Puis après, il faut que je passe au bois. Voilà. Faut que j'aille faire 6 000 de bois. J'ai pu en faire 21, donc je devrais pouvoir... Des blocs de terre Ouais. Au total, il en fallait 28. Ouais, bah, j'ai plus de chair pourrie. Ah, ça, pour le coup. Va dans les fermes. Tiens, je te mets des chrysanthèmes dans la nourriture, c'est pour faire les... Non, pas dans la nourriture, dans la boisson. Parce que ça sert à faire le thé. Ça marche. Et sinon, tu vas oublier d'aller les chercher dans les plantes. Mais on a fait pareil, des bocaux ou pas ? J'avais fait du sable à un moment, mais j'ai dû m'en servir. Je sais pas si on a mis du sable à fondre. Si, on a dû mettre du sable à fondre. Regarde la première forge, vois si tu peux pas lancer des bocaux. N'hésite pas à en lancer 200 ou 300. Contre, je ferai. Pour moi, ça paraît plus simple de l'avoir dans le jardin, mais après, ça dépend du rendement. Bah, regarde là, rien que dans notre. Dans nos environs de notre base, là je vois 1, 2, 3, ou un 4 ou 5 trucs de chrysanthème. Bah, je comprends, mais ça te fait courir partout, ça te prend du temps. Ouais. Parfait. Bon, allez. Moi je vais aller brûler le monsieur qui est là. Ah. Quand même réussi à avoir l'XP. Ça y est, il est mort. Ouf. Il est mort. Retirer le sable quelques temps pour mettre le plomb. Ben voyons. Je t'en prie, fais comme chez toi. D'ailleurs, tes bocaux. Ah oui, c'est vrai que oui, ils prennent de l'argile. Là. Et il faudrait aussi du charbon. Alors, on verra plus tard le charbon. T'as une zone de charbon sur ta carte ou pas ? Ouais. Ok. Bah, bon, bah alors, je te laisse dire. Combien il te faut de charbon ? Alors, le charbon 2 pour 2 poudres de nitrate. Alors, le nitrate, il m'en reste 1700. Et ça me fait une poudre à canon. Et pour les balles. Donc, c'est 2 par poudre à canon. Oh, il y a une horde à côté. Attends. De chez moi, faut que j'aille. Et les balles, j'ai besoin. Alors, on fait que du 9 mm là, des balles. Hein. Ouais. Une poudre à canon par balle. C'est tout ? Donc si on fait... ouais, donc il nous faut 1000 poudres à canon. Donc il te faut 2000 de charbon, c'est ça ? 2000, ouais. Un petit peu moins éventuellement, parce que j'ai un peu de poudre à canon que j'avais refait. Non, je le fais 2000, c'est... C'est tellement rapide. Mais vu qu'on en aura besoin après...
Vaut mieux toujours que tu demandes un petit peu plus. Parce que par exemple, si on veut faire de l'eau purifiée ou certains trucs comme ça, enfin de l'eau pure, et ben ça demande du charbon. Donc il vaut mieux avoir un petit peu de marge. Allez, Non, puis non, je suis pile poil là où il y a le charbon. arrête de taper les murs, toi. Les murs en bois en Calme-toi. plus. Ouais. Est-ce que tu veux mettre des pièges à lame ou pas? Je sais pas ce qu'il faut pour les pièges à lame. Générateur, électricité, tout ça, tout ça. On n'est pas prêt. Comment ça, on n'est pas prêt? T'as tout ce qu'il faut, t'as le talent qu'il faut. Talent, ouais, mais va falloir développer le truc d'électricité, etc. Je préfère éviter de le faire à la dernière minute, si tu veux, ce que je veux dire. Oui, mais est-ce que t'en mettras? Pas forcément J'en pour cette mettrai, mais vague-là. ouais, j'en mettrai, ouais. Faudrait que je trouve quoi. Hop. Ah, bah il y a une horde qui se pointe. On les attire? Non, non, on les attire, on les attire. Bah non. Viens, viens, vas-y. On monte. Attends, il faut se mettre près d'ici, sinon ils vont pas monter, je pense. Est-ce qu'ils se détournent? Ouais, ils ont l'air de venir. Vas-y, prends la place principale. Quoique t'as l'air très bien là où t'es, hein. Il y en a d'autres qui attaquent ailleurs. Non, non, ils font le Ouais, tour. ouais, Non, non, ils sont tous en train de monter là, tous. Regarde, les voilà. Bon XP à toi. Allez, hop. Et 2-1. Moi, je double mon XP puisque je te liche le tien et en même temps, je fais les upgrades. À moins que tu veux plus de mélange à béton, mais je crois que t'es bien parti pour en vouloir plein. Bah, un peu moins parce que maintenant que j'ai fait la descente, je vais quand même consacrer la prochaine semaine à faire des POI, je pense. Il y en avait là du sable. Regarde, je suis en train de faire un trou. Si tu sors de la base, faut que tu sortes de la base pour le voir. Ah ouais. Ça y est, tout est en béton sur deux couches d'épaisseur. Jusqu'à la bedrock. Et à la bedrock, c'est trois couches d'épaisseur entre la descente et notre salle principale. Ça sera bien content d'avoir fini ça après. Bon ben voilà. Bon ben moi j'aurais pas le point supplémentaire à mettre. Par contre, j'ai ce qu'il faut pour faire mon fusil 5 normalement. Cuir, ruban adhésif, morceau de tissu et kit de couture. Putain, deux kits par truc. Ouais, je la laisse crier ou pas? Non. Ah, c'est elle qui l'a achevé. Ah merde, j'avais pas vu l'enduit. Faudrait peut-être que je mette mon plâtre. Il y en a encore pas ici. Dernier plâtre. Pardon, zéro plâtre. Ouais. Fais attention à toi. Après, maintenant qu'on va avoir l'atelier de chimie, je vais pouvoir en refaire. Pas une bonne idée. Dans le con.
Je crois. Enfin, j'ai pu. C'est une level 3, ma clé à molette, alors que j'avais une level 5. J'ai l'impression que j'ai interverti. Je me demande si je l'ai pas revendu au marchand. C'est pas grave, je pourrai en faire bientôt des level 5. Ok. Techniquement. Après. Bah, au moment où. Il faut que je mette 3 points encore dedans, mais dès que j'aurai mis ces 3 points, je pourrais mettre level 5. Et je suis à 10% de mon prochain level, donc. Là, je peux faire des level 2. Ou des level 3 déjà. Je peux faire quel level moi? Je peux faire des level 2, voilà. Et dans 10%, je peux faire les level 3. Et dans 3 levels, plutôt dans 2,10 levels, hop, je pourrais te faire tes level 5. Ok. Voilà, ça y est, je viens d'avoir l'avant-dernier level. Un modificateur de visée laser. Ouais, c'est sympa. Je viens d'avoir le dernier level et voilà, et j'ai pas commencé à faire les trucs ni de nitrate ni de plomb. Donc il y a facilement 80% de mon level qui vont être faits grâce à ça. Alors pile de plomb fabriquée et hop level à mon avis. Hein. Donc faut que j'aille me faire une clé à molette. Niveau supérieur, niveau 45, vous avez 3 points. Comment j'ai fait 3 levels en une demi-matinée? Gna 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 gna.